Yeah. C'était l'époque de mes premiers sons système. 94, 95, 96. Marcella le peuplier. S de Paris. Yeah. Je me souviens de l'époque de mes premiers sons système. Marcella le peuplier. On bougeait tous dans le 13ème pour s'imposer au micro. Y'avait du monde sur la scène. C'était chaud, c'était rock, mais ça en valait la peine. À cette époque, c'est sûr, y'avait pas David Guetta. Et s'il avait été là, il se serait vite fait péta. Les Rude Boys faisaient la loi et ça en marge de l'État. Fallait savoir se défendre avec ou sans Beretta. À l'époque, y'a pas d'une, mais nous on kiffait quand même. 5 DJ morts de faim, on s'appelait le Youth Man 10. Pas de colle, pas de prof, on apprenait tout sur scène. C'était chaud, c'était rock, mais ça en valait la peine. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? C'était rendez-vous au square. On y squattait 10 heures et on y refaisait l'histoire. En fumant des spliffs, on se prenait pour des stars. On chantait toute la nuit, on était plutôt bavards. Les hommes politiques n'étaient pas autant des stars. Et les joueurs de foot descendaient encore du quart. On était jeunes, on était fous, mais dans nos rêves de victoire. Y'avait certaines valeurs et y'avait beaucoup d'espoir. On écoutait Buju, Banton, Sizzla et Chabarang. C'était l'époque de la rouge et le début de la seconde. On payait encore en France 0€ à la banque. C'était pas grand chose, c'était pas le but de la bande. Sandwich, pain, banane remplissait souvent nos ventes. Mais niveau 45 tours, on était jamais en manque. Bassman Studio, c'était le nom de la planque. On chantait sur vinyle, on enregistrait sur bande. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'était le bon vieux, c'était le bon vieux.